Vous me cherchez, n'est-ce pas? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ce sera une énorme vidéo arrivage de BO, de soundtrack, en vinyle, en CD. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Des achats que j'ai depuis un petit moment et que je vais vous présenter enfin. Des cadeaux, il y a de tout, enfin vous verrez. Et ça va me permettre de ranger tout ça parce que mine de rien, ça s'accumulait. Et je préférais vous mettre tout ça dans une vidéo dédiée plutôt que de les inclure dans des vidéos globales avec les Blu-ray. Et comme ça, vraiment, les fans de BO auront cette vidéo où il y aura vraiment de la BO. Allez, c'est parti. On commence avec Opéra, donc film de Dario Argento. Une BO de Claudio Simonetti, hein, qui avait fait notamment la BO de Démon, hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai pas encore écouté celle-là parce que j'ai encore le film à voir, hein, Opéra de Dario Argento. Donc je me laisse de côté, je me laisse procurer ce qui était vraiment à bon prix. Il y a 18 pistes dessus et voilà, j'essaie de me les procurer au fur et à mesure quand elles sont à bon prix parce que parfois ce genre de BO tombe sold out. Donc voilà, autant les prendre quand elles sont dispo. Ensuite, Le chat à neuf queues de Ennio Morricone. Donc là, c'est une remasterisation pour le 50e anniversaire. Donc celle-ci, j'ai écouté. Donc c'est le chat à neuf queues, hein, le titre en français. Donc là, vous pouvez mettre cette pochette-là en noir ou cette pochette-là en jaune. Moi, j'avais laissé le visuel noir qui est plutôt sympa, comme sur la sérigraphie sur le disque. Donc très très bonne BO. J'ai pas revu le film encore, mais comme c'est du Ennio Morricone, j'ai quand même voulu écouter et j'ai vraiment bien aimé. Celle-ci est éditée par Quartet, donc vraiment très bonne BO. Pour rester avec Dario Argento, donc ça c'est son dernier film, alors je me souviens plus le titre en français. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas encore écouté ce que j'attends de voir le film. Ici on a un bon paquet de pistes également. Celle-ci est sortie depuis un petit moment également, mais bon, elle traînait sur mes étagères, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer avec. Tout comme celle-ci de Matrix Révolution, donc musique de Don Davis comme les autres Matrix. Le film, voilà, c'est clair que c'est en dessous des trois premiers, mais bon, ça peut encore passer. Par contre, la BO est toujours très très bien et j'essaie d'avoir de toute façon toutes les BO la plus complète possible des Matrix, hein, ce qui est le cas aujourd'hui avec ce quatrième volet, donc qui comporte deux disques. C'est limité à 3000 exemplaires, c'est du La La Land. Voilà, donc vraiment très très belle édition, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'avais dit que j'hésiterais, enfin que j'allais pas forcément la prendre, c'est la BO de Mission Impossible Dead Reckoning. Alors là, c'est pas la BO de base, c'est les thèmes supplémentaires suite qui ont été rajoutés. Bon, j'étais pas très très emballé de base, mais bon, voilà, j'ai passé une commande sur un site spécialisé, je l'ai prise avec. Alors, je l'ai pas encore écouté parce que j'avais déjà bien écouté la précédente. Alors ici, on a 15 pistes, donc c'est un peu plus léger, mais voilà, ça ira avec toutes les BO des Missions Impossibles. De toute façon, je crois que j'ai la totale au niveau Mission Impossible. Alors une réédition qui fait plaisir, c'est celle du film Le Casse avec Belmondo, Mar Sharif. Donc BO de Ennio Morricone qui était sold out depuis très longtemps. Et puis je voulais pas mettre très très cher dedans, donc c'était réédité par Music Box. Vraiment excellent, moi j'adore cette BO, j'adore ce film. 16 pistes ici, quasiment une heure de BO. Voilà, vraiment très très bien, il y a le thème principal hein, qu'on connaît bien. Vraiment un excellent film que j'adore, que j'ai vu et revu, mais vraiment très très bon. Allez, on va passer à du vinyle. Donc des vinyles, alors on va en faire les trois. Sachant que j'en avais un, il me semble. Alors je vous les remontrerai. Hop. Alors pas forcément dans l'ordre, c'est pas grave. Halloween Ends, donc en vinyle. Alors par contre, il y a peut-être des particularités parce que moi j'avais une version de base, je crois, sur un des Halloween. Et ici, c'est les versions colorées. Le Halloween Ends, j'avais la version en noir, enfin avec le disque noir. Ici, c'est la version avec le disque orange.
Donc celui avec le visuel, enfin le disque noir, le vinyle noir, je l'offrirai peut-être ou je ferai un échange, je verrai bien. Donc Halloween Ends, ça c'est le premier Halloween, donc c'est la trilogie de David Gordon Green, hein, donc la nouvelle trilogie. Donc là on a un visuel vert. Et là, par contre, c'est Halloween Kills déjà. Je sais plus la particularité de celui-ci, mais bon, enfin, chacun, ils ont chacun une particularité. Hein, c'était des éditions limitées sur des sites. Alors, c'était soit sur Fnac ou Amazon, je sais plus. En tout cas, voilà, les trois que je vais laisser sous blister pour l'instant. De toute façon, ces BO, je les ai également en CD. Donc, quand je les écoute en CD. Mais en tout cas, voilà, c'est cohérent au niveau présentation. Donc, moi, j'ai la trilogie en vinyle. Alors comme pour le casse, Music Box a réédité les BO du Grand Pardon, parce que je crois que c'était déjà sorti, hein, si je me trompe pas. Donc là, c'est le Grand Pardon 1 et 2. Alors le Grand Pardon 2, je me souviens, je l'avais vu à l'époque, j'avais adoré. Le 1, je m'en souviens plus trop. Je suis même pas sûr que ce soit en Blu-ray, ces films-là. Voilà, alors, par contre, c'est des très très bonnes BO. Bande originale des films de Alexandre Arcadi. Alors la musique, c'est pas le même compositeur pour les deux films. Ici, c'est Serge Franklin, et là, c'est Romano Musumara. Et au niveau contenu, donc il y a beaucoup de pistes sur le premier film, hein. Vous voyez, il y a 26 pistes, le deuxième c'est un peu plus light, il y a 10 pistes, mais c'est des pistes longues. Donc ça compense, hein, parce que vous avez 67 minutes de BO sur le premier disque avec 26 pistes, et quasiment une heure avec 10 pistes. Voilà, très très bien, très bonne BO, avec un très beau casting ce film, faudrait que je me revoie ces deux films. Firestarter, film que j'ai pas du tout aimé, par contre j'aime bien la BO. Voilà, la BO que j'ai aussi en CD, qui est plutôt pas mal, la BO. Et là, du coup, j'avais récupéré le vinyle également. Voilà, donc musique de John Carpenter. Voilà, c'est le même contenu, hein, donc celui-ci restera sous blister. Mais la BO est pas mal, par contre, le film, c'est une catastrophe. Hein, c'est le remake, hein, Firestarter. On continue, alors n'hésitez pas à me donner votre avis au fur et à mesure dans les commentaires, hein, surtout pour ces BO et les films éventuellement que j'aurais pas vu. John Wick 4, la BO que j'ai eu du mal à récupérer parce que cette BO était sortie, alors c'est de l'import, elle était sortie en très peu d'unités, j'ai réussi à la recommander in extremis avant qu'elle tombe de nouveau en rupture, donc j'ai déjà les BO des trois premiers. Alors même si John Wick 4, j'ai pas forcément apprécié le film, la BO est toujours bonne à écouter. Même si voilà, les BO des deux premiers John Wick sont vraiment très très bonnes, comme les films d'ailleurs. Mais bon, au moins je l'ai, et elle ira voilà, avec les trois autres BO des trois premiers films. Alors ici, une réédition, parce que The Lost World, donc c'est Le Monde Perdu, le deuxième volet de Jurassic Park, il y a eu un gros coffret qui était sorti avec Jurassic Park 1 et 2, donc celui-ci, mais qui était sold out ou qui se revendait très très cher. Et là, La La Land, hein, c'est bien La La Land, c'est ça, avait réédité le premier Jurassic Park il y a quelques mois, donc dans une très très belle édition, très complète. Et là, ils ont réédité celle du 2. Hein, de toute façon, il fallait s'y attendre. Donc pareil, dans une BO très complète et avec des pistes complémentaires par rapport à ce qui était sorti précédemment. On a deux CD. Sur le premier CD, on a 18 pistes. Et sur le deuxième, on a 11 pistes d'origine. Et il y a ici donc 6 pistes qui ont été rajoutées en plus. Donc voilà, on a du contenu supplémentaire. Donc ça, c'est bien. Hein, en dehors de la réédition, ils rajoutent du contenu supplémentaire. Voilà, c'est toujours très très bon, hein, il n'y a pas de problème, c'est du John Williams. Voilà, bon, par rapport au premier Jurassic Park, hein, il y a beaucoup de redondances, mais c'est toujours très très bon à avoir. Ensuite, donc là c'est la deuxième partie, Master of the Universe, alors une série que j'ai pas regardée encore, mais on a dit beaucoup de bien. Par contre, j'avais celle du premier et j'avais adoré la musique, parce que c'est les maîtres de l'univers. Et là, j'avais commandé du coup en promo là sur un site spécialisé. Le prix était de moins 30%, donc du coup j'en ai profité. Donc ça c'est le volume 2. Et en plus de ça, il y avait une pochette offerte avec la dédicace du compositeur Björn McCreary. Donc du coup voilà, c'est un petit truc supplémentaire. De toute façon, je pense que la pochette, je la mettrai là-dedans une fois que je l'aurai déballé, plutôt que d'avoir un CD en plus. Je n'ai pas encore écouté celle-ci, mais celle du premier, j'avais écouté et j'avais adoré. Ensuite, Le Masque de Zorro, toujours pas écouté non plus, parce qu'elle traîne, hein, j'ai pas mal d'écoutes en retard. Donc là, en même temps, je connais déjà la musique du CD d'origine, qui était édité depuis un petit moment, mais qui comportait très
peu de pistes. Ici, c'est une réédition chez La La Land avec deux CD. Donc, on a 26 pistes sur le premier CD et 13 pistes sur le deuxième. Mais de toute façon, je pense qu'avant de réécouter ça, je vais me refaire le film hein, qui était sorti en steelbook 4K il y a quelques mois, années, je sais plus, enfin, il n'y a pas très longtemps. Je vais revoir le film, et je me remettrai dans le bain et puis j'écouterai ça par la suite. BO de James Horner, vraiment déjà de ce qui existait précédemment sur le CD d'origine, c'était déjà très bon. Alors ça j'ai écouté, je connais pas du tout le film, mais c'est du Tangerine Dream et vraiment très très bon. 3 o'clock high, alors je sais plus ce que c'est le titre en français. Vous me le direz dans les commentaires. Donc on a 22 pistes, je connais pas du tout le film, je crois qu'il existe en Blu-ray, hein. À l'occasion j'essaierai de le prendre, mais voilà, du Tangerine Dream en général moi je prends, j'adore ce compositeur, j'adore les BO de Tangerine Dream. Donc si vous avez vu ce film, surtout dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis, mais en tout cas la BO est excellente. Alors je m'étais procuré ce film il y a quelques temps, Les Monstres de la Mer que j'ai vu, hein, c'était chez Sidonie et j'ai vraiment bien aimé. On fait des films d'horreur d'époque vraiment hop, très sympa, hein, j'avais fait une vidéo dessus dédiée et la BO est sortie de ce film avec un visuel complètement différent comme vous voyez. Alors ici par contre ce que je vais faire de toute façon c'est qu'à l'intérieur vous avez le visuel alternatif. Et je crois du coup je mettrai ce visuel là, voilà, qui est plus en raccord avec le film que celui-ci. Et vous voyez, une fois qu'on fait l'inversion, bah, ce que ça donne. Donc c'est vraiment plutôt chouette comme ça. Donc musique de James Horner également, comme sur Masque de Zorro. On a 38 pistes ici, c'est du Intrada. Donc je l'ai écouté, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Donc James Horner pour un petit film un peu moins populaire, mais vraiment très très bon. Bon, j'ai pas mal de vinyles encore à vous montrer, notamment des très 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 belles pièces, donc je vais vous les montrer après. Alors là, deux rentrées parallèles, donc pas du même endroit. Donc je vous les montre ensemble. Je me suis procuré là cette édition collector de La Guerre des Mondes et Le Choc des Mondes, hein, qui était en promo à 20€. Donc du coup, je me suis procuré cette édition qui comporte deux films, et en parallèle, la BO. La BO, donc La Guerre des Mondes, hein, donc le film original. Donc ça, c'est édité par La La Land. Il y a la blinde de pistes, hein, 38 pistes. Mais comme ça, je m'en souviens pas du tout. Je vais d'abord revoir ça et j'écouterai ça derrière. Voilà. Mais je me suis procuré cette BO parce que genre j'avais écouté 2-3 pistes comme ça avant. Hein, c'est ce que je fais en général quand je vois des BO arriver de films qui m'intéressent mais dont je ne connais pas du tout la composition. J'écoute quelques titres comme ça sur YouTube ou autre. Et si je vois que voilà globalement ça passe bien, le thème principal et quelques autres pistes, bah je prends, surtout que vous voyez, comme je le dis sur les films hein, qui sortent dans des éditions limitées, faut pas trop traîner, c'est 1000 exemplaires. Donc si à un moment donné je me dis tiens, bah, finalement ça m'intéresse, bah, ça risque d'être sold out. Donc 1000 exemplaires, je me la suis pris et puis j'écouterai ça dès que j'aurai vu les films. Allez, je vais vous montrer quelques vinyles et après... on finira, bah, il y a encore du CD et puis il y a des très très beaux vinyles, je les garde pour la fin. Donc restez bien là, je vous montre ça après. The Warriors, alors j'ai le CD qui est très très bon et là c'est l'édition qui était sortie chez Waxwork il y a quelques mois, mais voilà, elle traînait, je voulais pas vous la présenter dans une vidéo à Chanos classique. Hein. Je trouve que ça aurait été dommage de ne pas le mettre en avant plus que ça. Édition qui est sortie chez Waxwork, que je me suis procuré chez Fnac, je crois. Donc il y a deux disques dedans. Alors je ne vais pas l'ouvrir, hein. Vous avez donc forcément il y a 4 faces. Vous avez 21 pistes. La BO est vraiment très très bonne. Voilà, donc très très belle édition. Donc c'est des vinyles colorés, mais pour l'instant ça restera sous blister. Peut-être qu'éventuellement, un de ces quatre, quand j'aurai envie de l'ouvrir, je vous ferai une vidéo dédiée, un petit unboxing dédié. Mais pour l'instant, je les laisse sous blister. Alors dites-moi éventuellement si vous voulez des présentations hein, de certaines éditions que je vous montre, un peu plus focus, hein, pendant 5-10 minutes, hein, qu'on regarde vraiment tout ça en détail. Vous me le dites dans les commentaires et puis j'essaierai de les intégrer dans le flux de présentation au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, The Warriors, excellent film et très très bonne BO. Tout comme cette BO de Revenge. Alors celle-ci, je m'étais procuré, je ne sais plus où. Vraiment, alors déjà le film, j'aime bien, même si le final est un peu exagéré, hein, clairement, c'est un peu too much. La musique est excellente, pareil, je l'ai également en CD, hein, musique de Rob. Voilà, j'adore vraiment cette musique. Et le vinyle, je l'ai trouvé plutôt chouette. Alors, la face avant, j'aime bien.
J'aime beaucoup la face avant. Par contre, au dos, je trouve que voilà, elle a une tronche un peu bizarre, l'actrice. Mais voilà, c'est une belle édition. Donc voilà, j'ai pas hésité bien longtemps parce que pareil, ce genre de choses, ça tombe vite sold out. Donc ici, on a une vingtaine de pistes. Voilà, très très belle présentation. Pareil, ça reste sous blister pour l'instant. Si vous voulez une vidéo dédiée, bah, vous me le dites dans les commentaires. Il y a deux disques hein, dedans. Donc, je garde le plus haut vinyle pour la fin. La BO de Scream 6, bah, qui ira avec toutes les autres BO des Scream hein, que j'ai. Donc, musique de Brian Tyler. Ce Scream 6 qui était plutôt une bonne surprise hein, après un Scream 5 catastrophique. Donc ici, on a deux CD, 19 et 19 pistes, donc 38 pistes. C'est du Varese. Voilà, sur deux CD. Voilà, très très belle édition. Encore une fois, la BO est vraiment sympa. Pas déçu. Et puis au moins, voilà, j'ai la totale au niveau des BO de Scream. Celle-ci, en plus, est sortie tardivement. BO que je me suis procuré un peu à l'aveugle, enfin à l'aveugle, pas vraiment, parce que j'ai écouté quelques pistes. J'ai pas encore vu ce film Dogman de Luc Besson, donc c'est la musique de Eric Serra. Mais je sais pas, j'ai été attiré par la BO dans les quelques pistes que j'ai pu écouter. Alors je suis pas allé plus loin pour l'instant, c'est pour ça qu'elle est encore sous blister, parce que j'attends de regarder le film là, qui sort prochainement en Blu-ray. Donc il y a 29 pistes dans cette édition. Alors, si vous avez vu ce film, donnez-moi votre avis dans les commentaires, parce que je sais qu'il a beaucoup divisé ce film. Obsession, donc pareil, BO que j'ai pas encore écouté, BO de Bernard Herrmann, donc qui est sorti il y a quelques mois, donc BO édité par Music Box. Music Box, donc c'est un petit label éditeur, mais qui vend aussi des disques sur son site, et en général, c'est tiré à très très peu d'exemplaires, 500 unités, voire même des fois 250 unités, hein. C'est pour ça que faut pas hésiter longtemps quand on veut se procurer ces CD. Donc on a 41 pistes ici, donc un film que je dois revoir, et j'écouterai la BO par la suite, mais voilà, au moins les BO, je les ai, parce que ça s'est vendu une quinzaine d'euros, 16 euros peut-être, mais dès que c'est en rupture, ça monte à 30, 40, 50, voire plus, donc voilà, faut pas trop traîner. Voilà un craquage inutile, mais j'ai craqué quand même. C'est la BO de Punisher. Alors j'avais déjà la BO de ce film, et là ils ont réédité le CD. Je crois qu'en plus il n'y a rien de plus. Hein. Je pensais qu'il y avait des pistes complémentaires, mais c'est pas bien grave. Sachant que la BO du premier, enfin la première édition était sold out. Donc on a 30 pistes ici. Alors autant le film, je suis pas fan du tout. Je l'avais revu et j'étais assez déçu. J'avais des meilleurs souvenirs de ce film. Avec Dolph, je préfère largement Dark Angel qui était sorti quasiment en même temps. Mais par contre, la BO de The Punisher est vraiment très bien. Et au lieu de rééditer The Punisher, ça aurait été bien qu'ils sortent la BO de Dark Angel. Hein. Pour le coup, là, celle-ci n'est jamais sortie en CD. Et le dernier reçu, là, que j'ai reçu il y a deux jours, deux, trois jours, le vinyle de Seven, de Howard Shore. Donc j'ai le CD qui était dans une édition tout à fait convenable, mais je crois qu'en vinyle, c'était une première. Donc là, c'est l'édition Waxwork Record que j'ai récupéré de la Fnac, sachant que je crois que sur le site de Waxwork, il y a un vinyle, enfin une édition différente avec des disques colorés différents. Donc là, j'ai une version exclusive Fnac, et sur le site de Waxwork, vous avez une autre version exclusive. Donc je crois que Laurent hein, de la chaîne Vidéo Club a pris l'autre édition. Donc il vous le montrera je pense éventuellement. Donc moi c'était sur le site de la Fnac. Voilà, donc pour l'instant ça restera sous blister avec la fiche d'origine. C'est vraiment top. Donc voilà pour la présentation de tous ces arrivages de musique de film en vinyle, en CD, en édition limitée, en édition simple. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, des films éventuellement que je n'aurais pas vu ou vous avez vu et vous voulez me donner votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Là ça va pas mal débouler, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.